Et coucou l'Orab, coucou le chat, comment va tout le monde? On se retrouve pour une nouvelle VOD sur Inscription. Voilà, on continue la soirée, hein, toujours, et après peut-être du growing up. Je vais avoir du mal avec ce titre. Et donc on était arrivé à Robotopia, on avait commencé à run the world de Robotopia en essayant de pas se perdre, ce qui est un peu plus difficile. Ah oui, d'accord, ok, là y a rien. Let's go. Il y a un petit côté Yu-Gi-Oh avec l'hologramme. S'ils avaient fait l'hologramme des cartes, ça aurait été tellement bien en vrai. Ah ouais, attendez, j'ai oublié un truc. J'arrive tout de suite. Faut que je veux juste que je fasse un truc. Dame. Hop là. Et voilà, ça c'est fait. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a en carte? Ouais, pas grand-chose. Il me donne forcément un mana. Ouais, vas-y, ils attaquent direct. On va bloquer le 2, hein, parce que... pas grand-chose à faire, hein. En vrai, j'ai presque envie d'utiliser la bombe, mais... je me dis que ça va pas être... Alors, attendez, pourquoi ils sont morts, là? J'ai pas compris pourquoi ils sont morts. Parce que j'avais mis un drone. La double mitraille qui était 3-1. Insecte. Je peux rien faire. Si, le match solitaire. Voilà. Oh oui. Ah. Qu'est-ce que je suis con, putain. Mais qu'est-ce que je suis con. Hey, n'est-ce pas donc comment on va? Je fais toujours rire ce pseudo. Bienvenue à toi. Comme t'as pu voir, on a avancé un peu sur Inscription. En vrai, ouais, je peux mettre le robot. Ouais, voilà, parfait. Comme ça, je m'en débarrasse. Et j'ai plus d'énergie. Et c'est la merde. Oh là là, faut pas que je meure. Non, je meurs. Oh, j'étais à 2 étoiles. Boum. Tu as perdu tout ton argent. Ah, bravo. Tu veux le récupérer, alors reviens à l'endroit où tu étais sans mourir. Oh putain. Dame. Si je me souviens, c'est juste par là, hein, de toute façon. Putain, tu perds toute ta thune si tu meurs, ok. Quel enfer. Bon, faut bien qu'il y ait des conséquences. 1-2-1-1, j'ai un robot énergie. Ouais, de toute façon j'ai pas grand chose que je peux... Ouais, je peux rien faire en vrai. 1, 2, 1, 1. Voilà. Pff. Allez, s'il te plaît, sauce-moi. Plus j'ai de cartes, plus c'est l'enfer. J'ai pas beaucoup de choix hein, en vrai. Ouais, le robot d'énergie, voilà. Simplement. Ouais, si tu peux envie de donner bouclier. Ah, j'ai ça quoi. Et ça c'est quoi ça? Une carte au pif. Ah oui, c'est vrai, une carte au pif. Ouais, le robot mitraille bof. Hein. 1-3. Ouais, il vaudrait mieux. Ouais, mais si. Ouais, moi, ouais, vas-y. Je suis désolé, robot poisson. J'ai pas le choix. Quoi de beau, n'est-ce pas donc? Est-ce que t'as passé un bon samedi? Qu'as-tu de fait de ta journée? 5. Ouais, je pourrais prendre le robot clé là comme ça. Ici. Et l'insecte rodone, je le mets là. Et... Ok, là je lui donne un bouclier. Donc je donne mon bouclier à l'insecte vol, à celui qui vole ou... À lui peut-être. Ah non, j'aurais dû donner à celui qui vole. Très bien, écoute, je rentre du théâtre, là je mange un grec. Oh, t'as été voir quoi au théâtre? Je suis mort.
Je suis mort. J'ai perdu ma thune. J'ai perdu ma thune def. Quel enfer. J'ai perdu toute la thune que j'avais. J'ai perdu la thune que j'avais. La chute par Albert Camus. Oh! Attends, c'est quoi déjà la chute? C'est top, mais pas je. Ouais, je pense que c'est ce que je pense. Pas en rap. Non. Non, c'est autre chose. Non, c'est. Ah, c'est. Oui, bon, c'est du niveau de Tchekhov en tout cas. Je peux rien faire. À part me def. Oui, ils sont boostés, on dirait, en fait, les premiers. Mais oui, mais Camus, c'est pas toujours joyeux. Il y a des trucs sympas, mais... robot énergie, voilà, ouais, je peux pas faire grand-chose. Si, j'aurais pu mettre ça... Commence à en avoir trop, là. Robot bouclier... Quel enfer. Tout se passe mal. T'es arrivé un espace d'onde et tout se passe mal. Complètement. Ah, j'ai fait un peu de théâtre. Je crois que j'ai jamais joué la chute. 2. Ouais, ça c'est une attaque directe. Ça peut être bien. Les robots mages solitaires, c'est quoi déjà? C'est complètement une carte dans les appropriés aussi près. Oh oui, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose, mais j'ai pas lu. Trop dans le jeu de cartes pour faire attention. Genre, ah là 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 là. Mais quel enfer! Mais quel enfer! Quel enfer! Pas ouf, hein, ce que je fais là. Je suis trop distrait. C'est le mieux que je puisse faire. Ah, l'intérêt des capsules, ça serait pas de faire du tempo, justement, pour avoir plus d'initiative. Vas-y, je vais prendre une capsule, je vais... C'est peut-être ça, hein. C'est ça l'intérêt de faire des... Hop. Comme ça je peux... Ouais, je sais pas. Ah, le sniper. Mais si je le mets en face du bombe... Alors que là, si je mets le sniper là... Je peux l'attaquer lui. Ah ouais, non mais attends. Ah non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Mais quel idiot! Ok, là j'ai ça. Mmh. 10 de dégâts. Ouais, vas-y. Là, ouais. Ah putain, il est protégé. Quel enculé. Quel bâtard. Je vais perdre mon robot sniper. Quel bâtard. Robot bouclier, hop. Les robots cadeaux, on va le mettre là. Double mitraille, ça pourrait être pas déconnant, mais... Non, vas-y, je reste comme ça en attendant. J'ai plus de pièces d'or, quoi. Ah si, elles sont toujours là. Ah oui, quand même, oui, ça va. Ok, ça va. C'est bon. C'est plutôt good. Je les ai pas perdus définitivement, quoi. C'est pas comme les runes. Eux, ils attaquent, ils meurent. Ça, c'est un drone. Donc, le drone, éventuellement, si je mets mon robot sniper en premier... Ah bah non, je peux pas, j'ai pas de... Ouais. J'ai pas d'énergie. Là, là. Ah, par contre, mon robot sniper...
Voilà, là, vaut mieux que j'attende. Lui aussi, mais juste les cartes en place. Hop. Drone mitrailleur. Ah, le robot sniper. Bon, en même temps, le drone mitrailleur. Pas ouf ce que j'ai fait, mais. J'enlève un drone mitrailleur ici. Ah là 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 là, mais déjà quoi? Quel enfer! Ok. Ok, attends, ça c'est quoi déjà? C'est pestilence, la... Ah oui, un de puissance en moins, ça c'est bien ça. Ah mais je peux rien faire quoi. Vraiment, j'ai aucune carte 1-1, ça m'handicape tellement. Je suis pas bon, hein. Je suis désolé. On va galérer sur cette phase. Exosquelette. Donne bouclier. Au moins 1 de puissance. Ouais, il a un shield maintenant, mais quel enfer. Robot énergie, mais en même temps l'exosquelette. Le dun bouclier, ça serait pas déconnant. Ça, c'est pas, ça peut être pas mal. Et voilà, j'ai plus d'énergie. Donc là, normalement, il va niquer mon dun bouclier. Ouais, et je vais lui donner un robot amibe. Vous voulez faire des cartes robots, vous rajoutez robot devant un objet à la con, et c'est, vous avez des cartes robots. Robot bouclier! Robot énergie, robot poisson. 0-1. Putain, il a une bombe en face de mon Mabib. Amib. Putain, mais vraiment, quel enfer. Faut que j'améliore ma diction parce que des fois, je parle vraiment dans ma barbe. Barbe. Et je dis n'importe quoi. Exosquelette. Ouais, je sais pas quoi faire. Lui, il me fait chier là. Parce que quoi qu'il a. Ouais, on va faire ça comme ça. Bouclier. Ouais, ouais. Ah, mais en plus, comme j'avais le bouclier... Ah, mais putain, mais quel enfer! Robot permutation. Ok, hop. Et j'ai plus rien. J'ai plus d'énergie. Non. 3-3. Le robot sniper, je le mets là. Ah non, faut que je le calme lui. Hein. C'est lui qui est le plus dangereux en vrai. Ça va, ça encaisse. Oui. Attends, il m'a donné un bouclier à moi? Ok, là... C'est bizarre. Ah, c'est vrai qu'en plus, mon sniper, il détruit direct. J'avais oublié cet effet incroyable. Voilà, j'ai failli enchaîner... Ok, est-ce qu'on va la passer cette phase? Sinon, faut que je change de côté, hein. Ah ah, joue-moi. Ouais, bah, c'est ce que j'aimerais bien, mais pour l'instant, pas l'énergie. J'ai un flashback qui revient, là. Alors là... Ok, le robot cadeau, ça pourrait être intéressant de le sacrifier. Voilà, boum. Je le sacrifie. Ah non, il a juste pris un dégât. Bon bah ça va.
Si l'autre a fait que un dégât. Insecto drone, il y a quoi en face? Il y a un insecto drone et un exosquelette. Ah non, faut pas que j'utilise ça maintenant. 2, 1. Ouais. Oui, vas-y, je vais jouer ça comme ça. Je fais un 2 de dégâts. Ok, maintenant il me fait 3. Quel enfer. Ah, le robot sniper. J'ai plus d'énergie. Ça, comme ça, il peut rien mettre ici, donc c'est pas plus mal. Drone mitrailleur. Oh, le drone mitrailleur, oui. Non, mais non, non. Ah putain, mais quel connard. Voilà, on continue de lui faire des dégâts direct, ça sera plus intéressant. Ok, ouais. J'ai mal joué. Robot permation. Ouais, mais si je le mets en face de lui. Ça, c'est quoi ça? Voit sa puissance augmenter à sa mort, disparaît pour toujours de votre deck. Quand ça. S'il meurt là. Ouais, non, ça devrait aller. J'ai plus d'énergie. Petite pièce? Ah, même pas une petite pièce, putain. Bonjour! Tu veux passer cette glace? Eh bien, je devrais pouvoir l'enlever. Un peu de chaleur devrait faire l'affaire. ok. Quoi ça? Je ne suis pas la marchande. Je ne suis pas la marchande, moi, mais on va pouvoir s'échanger des choses. Tu dois échanger une de tes cartes contre une de celles qui te sont proposées. Bof. 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 Tout est naze. Tout est naze. Ça, c'est pas ouf. Ça, ouais, donne bombe, ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu me donnes? Oh là là, le chien, c'est ouf. Ouais, je trouve pas, moi. Ouais, peut-être que je peux pas revenir en arrière. Je peux pas revenir en arrière. Le Dun Bomb, contre quoi je peux l'échanger? Ouais, l'exosquelette qui est un peu... Ouais, qui peut être pas mal, mais... J'ai aucune carte dont j'ai vraiment envie de me débarrasser. L'exosquelette qui fait du 2-2. Vas-y, on va échanger ça. Je suis pas sûr de mon échange. Je pense que je me suis fait clairement carotter. 4 robots pièces. D'accord, ok. Vas-y, prends ma thune. Pose une de tes cartes. Choisis-moi. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Vas-y, fais voir le robot poisson. Ça sert pas à grand-chose. Laisse-moi calibrer l'objectif. Ok, un de défense. Non, c'est un bouclier ou un dun bouclier. Ou un tir automatique quand on vient devant lui. Un de bouclier ou un tir automatique quand on vient devant lui. Oh, le double mitraille, je peux rajouter encore un effet dessus. Je peux rajouter encore un effet dessus, hein, c'est assez intéressant. Tir automatique quand on vient devant lui, sur le double mitraille, ça peut être intéressant de ouf. Hein. Ou le bouclier en plus. Le dun bouclier. Ouais, booster mon robot poisson, ça pourrait être... Il y aura un bouclier ou une tourelle automatique. Ouais, faut pas que je mette tout là-dessus. Ouais, automatique, de toute façon, c'est que un de dégâts. Ouais, je sais pas. Oui, moi. Oh, vas-y, le robot poisson, ça pourrait être intéressant. Non, l'amibe. L'amibe, ça peut être intéressant. Elle est où, l'amibe? L'amibe avec un truc en plus. Ah, je sais pas.
Alors vas-y, on va partir sur le robot poisson avec un shield en plus. Un dun bouclier, ça pourrait être pas mal. Tir automatique. Vas-y, tir automatique, en plus c'est un 3 points de vie. Oui, oui, c'est bon, vas-y. Ça me va. Ah, d'accord, ok, j'ai un raccourci maintenant pour revenir éventuellement. D'accord, ok. La glace qui l'a fait fondre, ça sert à ça. Oh, un peu d'argent. Oh, 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 10 de thunes. Bah, ok. Trop bien. Je suis Crésus. Un petit marchand, ça serait pas déconnant. Hein. Ah, là, c'est du 3 sur 3 résultat. Ok, robot cadeau, double mitraille, ouais, je pourrais... Ouais. Et il joue un automate et un dun bomb. Ah non, j'aurais pas dû le mettre là. Je suis débile. J'ai l'impression d'entendre une musique en fond. C'est quoi ça déjà? Une copie est ajoutée à votre main. Ah, oh, ça c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. Pour tanker un peu. Ouais, vas-y, tranquille, tout va bien. Donne bombe. Ah, c'est beau ça. J'avais encore de l'énergie, je crois. J'ai fait le fou. Ouais, ok. Un antivol, ça c'est cool. La bombe, si je la donne sur lui. Ah, mais que je mets un antivol. Insectodrone. Je le resacrifie. Et robot machoïter, hop. Oui, attaque! Ok, plein de bombes, ok, c'est infernal. Ok, redonne la bombe sur le parapet, ok, ok, ok. Drone mitrailleur, c'est pas intéressant pour moi. On va avoir un insecte, hein. Il y a encore des cartes, ouais, il y a encore des cartes. Un dun bomb et un shieldos. Ah oui, parfait. Ah mais attends, non, attends, il donne la bombe. Ouais, il le tue automatiquement, il lui donne la bombe. Et l'autre, il a un shield. Ok, il est mort. Au bouclier, voilà, parfait. J'ai trouvé cette phrase du jeu beaucoup plus dure que... Cette phase du jeu beaucoup plus dure que la précédente. Ah ouais? Ah, la précédente, elle avait un peu de challenge, mais je trouve... Je sais pas, pour l'instant, ça va... Toujours des nouvelles mécaniques qui viennent, c'est assez cool que ça soit évolutif, mais bah je trouve que ça va, en vrai. Les robots qui sont là-bas sont complètement désactivés. Ah ouais, attends, tu peux peut-être m'aider, n'est-ce pas donc? Est-ce que tu te souviens de l'heure de la première horloge? On me casse les couilles parce que je sais plus c'était quoi. Putain, alors là. Et j'ai noté deux trucs, 11 et machin 23. Ok. Ah bah voilà. Tout va bien. Ou robot. Encore de la cam. Je sais même pas ce que j'ai fait. Mais... Putain. Maître cambrioleur. Ah c'est le braquage effectivement. Oh. Ah mais t'es... Je t'ai vu.
Oh! Oh! Well, that's new. Je sais pas, des trucs qu'il faut que je fasse avec ça, mais... Je l'ai vu! Je l'ai vu, le bocal! Putain, je peux rien faire avec le crâne, là. Très très fort, le robot. Alors, c'est quoi déjà le robot? Je sais plus c'est quoi. Ouais, je vais en jeu. Peut-être ça l'indice. Impression 100%. Chaque fois qu'il meurt, il gagne 1-1. Ah bon? Ah, en robot? C'est pas le même effet que ce qu'il y avait. Hein. Quelle demeure déprimante. Dire que tu vas pour ambition de remplacer Grimora. Et donc pour ambition de te retrouver dans ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est d'amélioration. Not me. Le robot Habib, sur quoi? Sur le robot énergie qui pourrait être utile. En même temps, je pense qu'il faudrait mieux que je le sacrifie. Le robot sniper, ah ouais, mais si je le perds... Si je le perds, je suis juste dans la merde. Ou robot. Sur quoi je le fais? Après, je sais plus si tu peux le buffer dans cette phase du jeu ou s'il fallait le faire avant. Quand une carte en est installée, une copie est ajoutée à votre main. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais utiliser sur le robot. Par contre, elle coûte cher de ouf. Elle coûte très très cher. Faudrait mieux que je buffe une petite carte que je peux sortir rapidement. Hein. Genre le Done Bomb, ça pourrait être pas mal. Le robot Amib. Vas-y, je vais le donner au robot Amib. Espérons que ça passe. Ça passe. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Oh, des cartes. Donnez-moi des cartes. Robot clié. Vas-y, je vais reprendre un robot clié. Des fois qu'il y a un truc de fusion ou je sais pas quoi. Ça, c'est quoi? C'est du recyclage. Prêt à échanger. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Donne squelette 1-1. Robot cadeau et un Done Bomb. Ah mais putain, mais vraiment, il me donne des cartes de merde, quoi. Je vais prendre un robot cadeau. Et je vais l'échanger. Contre le robot cadeau! En vrai, ouais, je vais l'échanger contre le robot cadeau. Voilà, il y avait rien qui m'intéressait. Ok, j'ai une fourrure, mais j'ai pas trouvé le marchand. Stop! Pour passer, il faut s'engager légalement. Il nous faut recevoir l'accès à l'archive. Accepte tous de lui donner accès, c'est important. Il faut signer ce contrat. Oh, je ne peux pas signer ce contrat. Tu n'as rien pour y écrire. Ah, ok, d'accord. Il me faudra un stylo à un moment. Alors, clairement, là, il y a l'air d'avoir un trap. Robot Amib. Alors, j'ai quoi, là, sur le robot Amib? De toute façon, je peux pas le jouer, donc je verrai ça plus tard. Vas-y, je vais tanker un 2. Hein. Ah là 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 là. Homo Habib, 1 de puissance. Et j'ai une copie dans ma main quand il meurt. Ah, mais c'est des drones là, ils me bloquent en fait ces bâtards. Donne bouclier. Il me faudrait un haut. Ah ouais, non mais. J'ai rien en fait. Poisson frais. Robot tourelle, il est à 3. Mettre ça plutôt. Empêcher le volant parce qu'il va être chiant.
Paf. Hop, plus de volant. Bon, le squelette, par contre, il me fait mal. Hein. Ok, j'ai 4 d'énergie. Robot cadeau. Dans un même heure, ajoute une carte choisie à votre main. Ok, vas-y. Hein. On joue le robot cadeau. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Hein, merde. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Bon bah tant pis, hein. C'est pas... Merde. Non, merde, il prend qu'un dégât. Ah, putain, mais... putain, je suis pas très doué. Insectodrone, est-ce que... Alors attends, j'ai 5 d'énergie là. Dun bouclier. Le dun bouclier sur le robot poisson. Ah, le dun bouclier, je le mets là. Voilà, hop, et je le mets ici. Tac. Et il me reste 3 d'énergie et je vais utiliser un insectodrone là. Il va mourir mon insectodrone. Voilà, parfait. L'autre, il a tanké comme il faut. Voilà, nickel. Deux petites pièces. Ah, 26 de thunes, hein. Faudrait que je trouve un marchand. De la thunasse. Ouais, de la thune. Ouais, de la thune. Ok. Relou. Ça c'était... ouais, il faut le stylo. J'ai pas de stylo. Let's go. Hein. Alors. Ok, un dun bouclier, des sentinelles. Robot sniper, dun bombe. Robot énergie. Ah, je peux rien. Ouais, hop, bah, je peux rien faire. Juste attendre. Le résultat, il y a toujours un coup d'avance sur moi, j'ai l'impression. Ah là là. Je vais donner la bombe. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Si, 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 si. Comme ça, je vais le faire sauter direct. Ah non, je vais attendre un tour. Je vais attendre qu'il meure. Ouais, je vais attendre qu'il vienne. C'est risqué ce que je fais. Au bouclier. L'autre qui me fait peur là parce qu'il va niquer mon sniper. Ah. Ah, il donne la bombe à moi. Oh, vas-y. Ah oui, mais non. Ah non, il m'a donné un bouclier. Ah donc ça m'a protégé. Ah donc je peux encore contre-attaquer en vrai. J'ai pas un truc avec un bouclier là. J'ai le Ouroboros. Ah, le Ouroboros, je peux pas l'utiliser. Voilà. Le sniper... Ah, lui il va le ken. Donc autant que je fasse ça. Comme ça... Ah bah non. Ah non, parce que comme ça... Ah non, c'est un dun bouclier. Ah mais merde. Je crois que c'était un dun... Non, il avait juste une bombe. Ah mais non, mais quel idiot. Pff, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était un dun bombe qui avait une bombe. Quel idiot. L'ouroboros, l'insectodrone. Des insectodrones. J'ai encore 3. Et un robot énergie. Ouais, pff, bof. Ah, ça commence à être la dèche. Robo Perma. Ok, c'est un 1-1. Lui, il donne un dun bouclier. Vas-y, hop. Ah. Donc, pas grand chose. Robo cadeau. Ouais.
Ça va, il va pleuvoir des boucliers là. Voilà. Ah, il me donne un bouclier, mais ça c'est gentil, ça c'est trop aimable. Quel bâtard. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pour protéger un peu. 1-1-1. Lui il meurt pas. Je peux pas donner un truc un peu plus gros. Ouais, le roi amibe est pas mal. Ouais, non, je continue comme ça. Hein. Petite pièce. Faut que je trouve un marchand. Faut que je dépense ma thune. Oh! Ah bah la plume. Parfait. Un stylo pour écrire. Tu as porté une belle plume. Et si, ici pour nous autoriser l'accès. Merci, n'oublie pas ton accord. C'est tout? Moi je m'attendais à un truc de ouf, mais non, c'était juste une porte. Ok, tous ces objets sont liés, ok. Mais l'autre, j'ai pas de clé. Le voilà, hyper robot, celui que tu cherchais. C'est stupide, bibliothécaire, Nadul. Regarde-le, assis là, couvert de saleté. Tu es prêt à le nettoyer? Ah, ça représente des gens ici. Ça représente des gens ici, d'accord, ok. Ouais, ouais, je vais bien le nettoyer sur disque dur. Oh. Oh, regarde, c'est l'heure du poste. Décompression archivis.zip. Application des matrices de personnalité. Nettoyage de quelques fichiers temporaires. Ok, let's go, c'est parti. Ah, bienvenue. Ah, bienvenue. Si tu ne l'as pas déjà compris en lisant le nom de mon fichier zip, moi c'est l'archiviste. J'ai vraiment hâte de parcourir ton disque dur. Oui, j'ai pas une meilleure voix pour ça. Oui, voilà, ça a un truc dans le genre. J'ai vraiment hâte de parcourir ton disque dur. Vois-tu, les fichiers et les répertoires, c'est mon domaine. Oh la nouvelle déco. Putain, ils ont... Vraiment, les décos des plateaux sont vraiment très très cool. Bon, là, ils ont juste mis... Bon, en vrai, ils ont juste repeint, mais... Encore, je suis même pas sûr. Hein. Ils ont quand même appliqué un effet rouille un peu partout. Alors, j'ai un Dunbomb, une double mitraille, un robot énergie, mais j'ai pas assez de thunes. Il y a deux tombes. C'est quoi ça? Octet mort, quand une carte ornée de cet emblème meurt, sélectionnez un fichier, rajoutez-le sur la balance exploit de dégâts ou X. What the fuck? Mais c'est... Ok, bah la phase avait l'air d'être chiant. Tu l'as pas compris? C'est... Oui, non mais je sais, vas-y, prout. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette armée, wesh? Mais jamais je peux le passer, ça. J'ai pas d'assez bonnes cartes. Dunbomb. Que de fichiers. Qu'est-ce qu'il y a? Stimulation. Ah mais c'est le sorcier ça. Je suis des... Ah mais non, c'est celui qui était complètement fucked up dans sa tête. Il voulait que je le libère après. Accroche. Incroyable ce boss. Accroche-toi à ton caleçon. Ah bah déjà, oui. Je sens que je galère bien déjà. J'hésite. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de me lancer un don énergie en même temps un Dunbomb, vas-y, un Dunbomb, ça serait pas déconnant, genre je le mets là. Et je mets ça là. Ouais, non, là, ouais, si, je le mets là. Comme ça, je le détruis. Oh, j'aurais dû le demander plus tôt. Il va falloir que tu m'autorises l'accès à ton disque dur. Tu veux bien? Je te le promets, il ne lui arrivera rien. Quoi? Ah, putain, c'est... Accordez accès à votre disque dur à inscription.exe. Ah d'accord. C'est ce que j'avais cru voir chez un moment chez Tixi. Oui. Voilà tes vrais fichiers. Ok. Voilà tes vrais fichiers. J'espère que personne ne regarde. Maintenant recommande-moi un fichier exemplaire. Prends bien en compte sa taille, sa grandeur et son poids. MDR. Ok. La taille, sa grandeur et son poids. Gigabit, montage du SIP.rar.
Voilà, ça c'est parfait. Un petit 7 gigas. Ah, ensuite, j'ai peut-être... attention à ne pas ouvrir le dossier porn. J'ai pas de dossier porn sur mon PC. Tout est sur un disque dur qui est débranché, bien sûr. Eh bien, dis donc. Ce fichier, il est... Si je peux me permettre, il est colossal. Bravo. J'aurais pu mettre un jeu, en vrai. Je sais pas à quoi ça a servi. Ça a servi à quoi? À quoi ça a servi? Pas maintenant, parce que j'ai d'abord une carte. Robot Amib. Vas-y, let's go. Boum. Fuck, allez, chier. Le nettoyage, c'est parti. Paf, paf, paf. Ah, rien, t'inquiète. Oui, oui. Choisis un fichier, ça fait les primordial. Ok, ok. Attends, j'ai pas un petit star site. Oh, Toucan, multicam. Attends, j'ai peut-être. Vous voyez des trucs là. Je sais quoi, j'ai déjà. Ouais, bof. Ah, si, j'ai projet vidéo, fais voir. Hein. Projet 2. Bof. J'essaie de trouver des gros fichiers. Un petit 5 gigas, vas-y, ça c'est bien ça. Magnifique, et gargantuesque. Un milliard de disques, ouais, j'ai un milliard. Bah, je suis le monteur, hein, donc j'ai plein de disques. Il me faut beaucoup de place parce que je vais avoir. J'ai beaucoup de projets en fait en même temps que d'autres projets. Et un projet en fait, comme c'est beaucoup de vidéos. Genre il me faut des TA et des TA et puis en plus j'ai des disques qui sont juste pour les jeux, j'ai un disque juste pour le stream, j'ai un disque qui est juste pour des photos, juste pour mes vidéos, juste pour le boulot. J'ai une dizaine de disques, un truc du genre. Sélectionne un fichier, je te prie. Par contre celui-là il est très spécial. Choisis le fichier qui t'est le plus cher et un qui a de l'âge. Un qui a de l'âge. Un qui a de l'âge. Faudrait que je retrouve. Je sais plus c'est lequel mon disque photo. Photo en cours, bof. Lequel mon disque est. J'ai trop de disques. Ah, là ça peut être intéressant. Photo, Lightroom, image 1. Ah, attendez, je vais aller voir dans mes disques directement. Alors, c'est le F. Qu'est-ce que j'ai de vieux? Oh putain, j'ai des trucs... Ouais. Créer le 2017. Ouais, c'est le plus vieux que je peux avoir. Peut-être. Là, je regarde dans mes dossiers. Photo, bof. Bof. Ouais, image 1 et afficher, détail, fais voir, date de création. Ah, mais il prend en compte que la date de création, donc... Night Sky, c'est quoi ça? Ok, ok. Night Sky. Ah, mais c'est 25-2020. Ouais, mais des vieux fichiers, j'en ai pas. Euh...
sur ce disque. En plus, je reviens sur les mêmes. Docu de stream diffusé. Ah non, mais j'ai pas les vieux. Pourquoi tout a été rajouté 2020, 2020, 2020 Z-Corp. Tout date de 2020. C'est trop chelou. La galère des fois. Hein. Un vieux truc, j'ai pas. Hein. Bannière et autres. Ah, ancienne. 2022, mais ça n'a aucun sens. Ils me disent que tout a été modifié il y a pas longtemps. C'est de la merde. En vrai, ...2021 bof. Le plus vieux que j'ai, c'est 2020, c'est naze. ...2021... Un vieux fichier. Attends, attends, je cherche un truc, je vais chercher un truc encore sur mon disque. Parce que c'est trop long ça. Projet vidéo 2. Archive vidéo. Ça c'est pas mal ici. C'est dans quoi le G ? Mais il me dit 2021, mais c'est de la merde. Ça date pas de 2021. Les rushs vidéo, par exemple, ils ont pas été faits en 2021. Bizarre qu'il y en a en tout petit et d'autres en tout en gros. I. F. Je vais prendre une de 2020, hein, j'ai que ça. Hein. Celui-ci. Dis-moi, est-ce que ceci faisait... Qu'est-ce que ceci faisait sur ton disque Qu'est-ce que ceci faisait... Non. Qu'est-ce que ceci faisait sur ton disque dur? Bref, n'y pensons plus, reprenons. Maintenant, plaçons ce fichier sur une carte. Tu n'as pas fiché un ceci qui t'était trop cher, hein. Car si c'est carte noire, je vois que tu peux afficher ton disque dur. What? Ne joue pas avec moi, je suis très sérieux, mais... Mais putain. Mais non. Mais quel enfer. Mais quel enfer, j'espère que non. J'espère que non, attends, j'ai mis des fichiers... Attends, j'ai mis un fichier, en vrai... Ah, je sais plus. Ah si, j'ai mis des exports. Bon, en vrai, je peux les récupérer. Regarde ce que ça donne. Wallpaper cell.jpg. Ah, mais quel enfoiré. Ce fichier a de l'âge. De deux. Ah ouais, pas ouf. Ah, quel enfer. Je vais jouer le time. J'ai encore pris un récipient vide, je suis pas très doué. Double mitraille, c'est quoi en face? Ouais, il suffit que je la joue pas. Bon, je la joue pas et tout va bien. Hein.
C'est tout. Je pensais t'avoir, mais ça m'apprendra. Tu as choisi quelques bonnes cartes dans ton jeu. Tu as eu de la chance. Oui. Oui, de la chance. Non, en vrai, j'ai 100% ou de la boule. Ok. Ok, j'ai pas perdu mes fichiers, tout va bien. Heureusement, putain. Ok, ok, ok. Tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Hein. Ça me... très flippant, le coup de... Tu te souviens de ton autre jeu de cartes, le jeu inutile avec tous les récipients vides. Eh bien, il va être un peu moins utile. Ah, oh, 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 qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ton choix. Ton choix ornera chaque récipient vide. Oh ah, ah. Bouclier à 1, il faut un de dégâts quand on les attaque ou de l'antivol. Ah, un de dégâts quand on les attaque, ça serait pas mal en vrai. Parce que ça leur fait des dégâts, ça... Non ? Bouclier, ça leur rajoute juste au final... Ouais, si, ça peut couvrir pas mal de trucs. Le bouclier, ça peut aussi prendre 3 de dégâts, il est toujours en vie. Hein, quand on les attaque, ça peut être très cool. L'antivol, bof. J'hésite entre le bouclier et ça. Vous en pensez quoi? Attendez, je vais faire un truc. Capture d'écran, bof. Parce que j'ai mis capture de jeu. Parce qu'à chaque fois, ça... Qu'est-ce que vous en pensez au chat? Sur quoi on part? Un pico? Un pico, ça peut être pas mal. Attends, là par contre, j'ai un gros problème. Voilà. Voilà. Pico? Ouais, vas-y, on va partir sur pico. Je dirais pico. Pico, ça peut être très intéressant. Intéressant. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais maintenant ils ont tous l'emblème piquant. Nice! Ok, bon, maintenant je me casse. Alors, il faudrait éventuellement... Carte mémoire pleine. Ah, putain. Ça y est, c'est le moment des fun footage. Alors, par contre, je commence à plus avoir de place sur mon... nouvelle carte mémoire, c'est... Je commence à plus avoir de cartes de place sur mon tableau. Well, hello there, card gamers. Looks like my garage sale hunting days have finally paid off. Yeah. Attendez, je... Il y a toutes les anciennes cartes d'Elden Ring qui prennent la place sur l'écran, je les fasse. Voilà. Yeah, baby. What do you guys do this? You know what that is? You know what that is? Vintage packs. Of inscription, 4 of them. I don't know if the woman knew what these are worth. I mean, I felt a little bad buying them off of her. But I mean, she's probably doing okay living in this part of town. I mean, it's like it's a nice part of town, you know. And, c'est une bourgeoise. She would have thrown them away if I hadn't come by. Right? Right. Okay. Big pack opening video incoming. Wouhouhouhou! Il a pris de la coke depuis. Hein. Soyons honnêtes. That is vintage. Franchement, j'ai trop envie d'avoir ces cartes. Hein. Hello? Hi, hello. Is this Mrs. Hobbs? Hi, my name is Luke. Well, it's very nice to speak with you as well, Mrs. Hobbs. Listen, I was at your garage sale the other day and... No, everything's fine, thank you. I was just wondering if you remember those playing cards that you sold me? Those... Yes, those ones, inscription, yes. They were your daughters? Would it be possible for me to speak with her? She passed, isn't she? She passed, ouais, elle est morte, quoi. Oh. Ah. Oh, no, I'm bon, bah, so l'enquête va légèrement piétiner. Oh, it was a while.
terrible. Oh, et full footage, j'étais terrifié perso, je m'attendais à un screamer à tout moment. Ah non, moi ça va, j'ai pas l'impression. Ça, ça a pas l'air d'être le genre. Toi, tu regardes Mandela Catalogue ou ce genre de show, tu t'as regardé Marble Hornet. Est-ce que vous connaissez Marble Hornet? Allez voir Marble Hornet, en plus, ça se trouve facilement en VOSTFR sur YouTube. I see. Okay, yeah. Attends. Non, parce que j'ai loupé des trucs là. Tu connais pas? Très bonne web série d'horreur. It's nothing really. I'm sorry to bother you, man. Marble Hornet, la bille guêpe. Traduction en français est pas ouf. Mais dans les fun footage expérimental. Casey. Attends, on est déjà eu Casey. Sorry, what? Mais. She worked for Inscription? I mean, she worked for Gamefuna? Ok, Casey, c'est important. Casey est un personnage important. On l'a tué, c'était une carte dans le jeu du chasseur. Okay, thank you so much. Okay. All right, have a good dinner. Bye. Okay, vidéo suivante. D'accord. Oh my god. No one was killed at the facility, though tragically young video game developer Casey Hobbs died from fire. Casey Hobbs. Fuck. She was working late at the facility performing quality assurance on behalf of her employer, Gamefuma. C'est passé un truc là. Died from fire related developer Casey Hobbs. She was working late at the facility performing quality assurance on behalf of her employer, Gamefuma. Ok. Wow. Attends. Cochon. Alors, cochon 3K, cochon. Cochon, 3, 4, cochon. Ok, ça j'ai bon, c'est bon, j'ai. Attends, il y a autre chose écrit là. J'arrive pas à lire. Aurore. Rorim. Aurore, Rorim, j'arrive pas à lire. Mirror Rorim. C'est Mirror Rorim. Reprime. Mirror. C'est Mirror Reprime. Ok. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de voir? Ok. Grosse ambiance d'un coup.
mais il y a trop de trucs. Vous avez abusé sur les notes à prendre. Mikulogo, 425. Perhaps, Blood. Vous savez quoi? Je vais pas me fouler. Hop. Je vais prendre une photo. Hop. Oh putain, j'arrive à mieux lire sur... sur mon téléphone que sur... Bah voilà, parfait. Mikologo, 422, Perhaps, Blood, Steer, 80 box. Appuie sur F11. Oui, moi je... Non. Oui, je pourrais faire un screen. Ok. Alors maintenant, il a la balance. Ok, il est complètement en train de craquer. Ok. C'est de pire en pire son état mental, lui. Ok, arrêtez de parcourir les vidéos, oui. Vas-y, on est reparti. Regarde, y'a rien hein, ici. Je peux pas récupérer ce qu'il y avait ici dans ma chambre. Ok bah let's go hein. Non c'est pas ça que je veux faire. Résultat j'ai pas la clé hein, on est d'accord. Il faudrait que je revienne ici quoi. C'est ça que le jeu essaie de me dire. Monde des cadavres, crypte humide, S de Botopie. Non c'est pas ça que je veux faire. Ok. On va aller là où il n'y a rien. Là, c'est un course. Oh, les cartes! Imprimante 3D usée. Alors, ça donne quoi? Imprimante à récipient. Mais ouais, ça, c'est pour donner un récipient. Le Somnia 1. En vrai, des cartes 3. Un truc qui évolue. Je dis pas non. Ok. J'ai un Dun Bomb. Ah, le Pico. Ah, j'aurais dû faire le Dun Bomb. C'est vrai que maintenant ils ont tous des Pico donc ils sont intéressants. Pour counter et tempo. Hop. Si le Dun Bomb il meurt, je lui mets une bombe là. Hop. Ouais. Ça me fait tempo un peu. Il a encore évolué? Drone mitrailleur, on va le mettre là. On n'en parle plus. Asbling, Max Xavier, un rappeur. Ma mission, éliminer la cible et récupérer la prime. Après ça, peut-être lancer ma petite affaire. Ouvrir un gîte, quelque chose de chouette. Me poser, trouver quelqu'un, fabriquer des enfants. Vieillir, confier ma petite affaire à mes enfants. Quitter cette vie, satisfaire mon œuvre, entourer de mes proches. Pas le trou. Mais avant ça, éliminer la cible. Bon, bah, t'excites pas trop, Coco, tu vas vite trépasser, à mon avis. Ok, ça va faire un peu un nettoyage. J'ai beaucoup de cartes de monstres maintenant. Robot cadeau, on va en mettre ça un là. Hop, et le Romamib. Hop, ici. Hein?
1-11. Non mais ça va, tranquille. Dis-lui adieu. La vache. What the f... Ok. Ouais. Bah les couilles. Vas-y, boum. Voilà, allez, joue maintenant. Et bah alors, je te raconterai tout cela à mes futurs enfants. Un jour, on en rira ensemble. Ok, je me suis débarrassé du plus connard, du plus chiant. Double mitraille, la double mitraille, on la met là. Hop, et on la laisse jouer. Boum. Boum, boum, boum. Attends, elle est morte, morte là, ma double mitraille? Comment ça, elle est morte? Pourquoi elle est morte là? Attends, j'ai perdu ma double mitraille définitivement? Je crois que j'ai perdu ma double mitraille définitivement. Ok, ça devient des chauves-souris. Homme-poisson. Voilà. Ah mais elle change, elle évolue à chaque tour en fait. Elle devient un volant ou un non-volant. Ok. Voilà, protégé par le bouclier. Parfait. Il n'y a pas d'autres vendeurs ici dans le coin ? 42 de thunes. Hey, coucou. Ça, c'est de l'or. J'allais miner. J'avais juste besoin d'un beau coup de pied dans le derrière. Qu'est-ce que c'est, ça? Une des cartes est sur le point d'avoir un alter ego. Elle va se transformer en brute. Tu peux choisir quelle carte et quelle brute. Ce n'est pas compliqué. C'est pas clair, clair. Hein. Ah, je l'ai perdu l'autre. Ah, je l'ai perdu le... Alors voyons, quelle créature va vivre dans ton robot? Ah, ok. D'accord, ouais, bah non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt la mettre sur... Ouais, sur un robot énergie. Ah, je peux choisir. De un vol, un vipère. Ah, la vipère, ça peut être pas mal. Mais le loup aussi, je vais garder le loup. Putain, j'ai perdu ma double mitraille. C'était ma carte favorite, putain, mais quel connard. Ça, hein. Ah, je l'ai plus, hein. Shit. Et non, tu es venu pile au mauvais moment. Ce générateur va se prendre explosé ou un truc du genre. Il faut que tu le recharges pour empêcher la catastrophe. C'est une course contre la montre, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est les problèmes encore, putain? Non, non, j'ai fait quoi? J'ai fait... Mais quel idiot! Ah, mais quel idiot! Quel teubé! Ah, je dois le recharger comment? En tapant? De toute façon, je pouvais rien jouer. Un de puissance. J'ai pas d'énergie aussi. Le robot mage. J'ai plein de visions. Robot énergie, ouais, c'est pas mal ça.
robot drone. J'ai pas assez. Ouais, emplacement vide, ça me sert à rien. Ah c'est ça, faut que je lui fasse des dégâts. Ok, j'ai 3 tours pour lui faire un maximum de dégâts. Le temps file, oui, bah oui, oui, j'ai vu. Ouais, j'ai que des dégâts, hein. Ok. Ça doit le faire. Ça doit le faire. Ah non, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. 3, 1, 1, 1. Voilà, double mitraille, ma carte fétiche quoi, putain. Ok, au prochain tour, ça devrait être bon. Ah, en plus, ils évoluent. Parfait. Ah, c'est bon, là. Là, je l'ai mitraillé. Putain, merde. Pourquoi il gueule? Ouah, bravo. Je l'ai rechargé avant qu'il explose. Je t'applaudirais si j'avais des mains. Bon, surtout, je peux t'en fabriquer, au pire. Hein. Ouh, qu'est-ce que c'est, ça? Loading 006 entry. Ok, c'est quoi, ce bordel? J'ai retrouvé cette vieille photo de quand elle et moi, on a commencé Aqua Romain. Alors ça, je crois que c'est un dessin qui est dans Magic, hein. Le gladiateur Gilly, énorme, et il a eu un Jules 16 bar. C'est tout? Je ne pensais pas que l'archivé ait récupéré ce fichier. Juin 2006. Ouais, non, mais c'est toujours la même chose. 6 juin 2006, ok. Posez une carte. Alors, mes cartes basses, faut que je les améliore. Vas-y, mon drone mitrailleur. C'est quoi ça? Accorde une pile à son propriétaire. La première fois qu'une carte ou un autre s'est emblé, je subis des dégâts, elle les bloque. Quand une carte ou un autre s'est emblé, ajoute une carte choisie à hasard de votre main. Ok, alors une recharge en plus. Ça pourrait être. Une recharge en plus. Un drone bombe peut-être. Ah, sur un Ouroboros. Ah, mais c'est. Ça me sert à rien, ça sera déjà 6. C'est débile. Non, sur un drone mitrailleur, une recharge en plus. Sur une carte 1 qui me donne un d'énergie en plus. Ouais, ça peut être, ça peut ne pas être déconnant. Vas-y, je prends ça. Ah oui, vraiment. Ouais, t'inquiète. C'est tactique, c'est tactique. Un nouveau marchand? Ah non, c'était juste de la thune. Résultat, j'aimerais bien... j'aimerais bien pouvoir me TP chez le marchand, parce que là, j'ai beaucoup trop de thunes. De toute façon, faut que j'y revienne à un moment. Robot mage, robot bouclier, hop, ouais, ça c'est pas mal, hop, on va mettre ça là, parfait. Il y a Hachanja là qui vient de se ramener. Insecto drone de 1, vol, évolue. Ah mais elle va mourir direct, ah bah non, elle va pas l'attaquer, donc ça va. Hey, j'ai pas oublié Zip Stansky la dernière fois. Cette fois, je vais te faire la peau. Zip Stansky. Ah non, je lui avais pris un petit accent russe. Enfin, de l'Est. Ouais, j'ai failli cliquer trop vite à avoir ce que j'aurais pas voulu avoir. Il est chiant son grizzly. Ah, ah, mais je suis débile aussi, je fais pas d'effort. Bon, c'est pas plus mal, mais... il fait mal son truc là, le Grizzly 4-2, putain. La donne bombe. Drone mitrailleur. Ah mais non, mais je suis débile. Mais je suis idiot. Ah mais oui, il la vole, donc ça me sert à rien.
Voilà, je vais l'éloigner. Faut que je fasse un max de dégâts là sur le prochain truc. Sonia, Roboclier, Sonia, ouais, vas-y, on va mettre Sonia. Comment ça va le chat? Vous êtes bien silencieux. N'est-ce pas donc à fond? Petite pièce 46, j'ai trop de thunes. J'ai de la thunasse. Celui qui vivait là était vraiment désordonné. Je ne veux pas dire qu'il ne changeait pas sa cabane, je veux parler de sa manière de jouer. Il faisait des erreurs tout le temps. Il préférait s'intéresser à l'histoire du jeu. Tu as bien compris, une stratégie sans faille, c'est tout ce qui compte dans un jeu de cartes. Oui, bah j'ai une stratégie sans faille. Je mets plein de cartes et j'espère que ça passe. Quand je pioche. J'ai beaucoup trop de thunes. Deux robots pièces. Ouais, vas-y. Moi des cartes en plus. Un robot énergie. Et un Sonia. Vas-y, je vais prendre un... Ouais, mais... Le Sonia pourrait être pas mal. Ouais, mais il vaut juste en carte à la con. Ouais, le chien métallique. Chien métallique, si je l'améliore. Alors que robot énergie, ouais... Vas-y, je vais prendre le chien métallique. Parce que Nespadon m'a dit que le chien métallique, c'est bien. Je te donne une carte, tu m'en donnes une simple comme bonjour. Non, j'aime pas ça. Ah, piquant, ça a l'air pas mal. Piquant contre chien métallique, plutôt. Moins cher. Le robot amib aussi. C'est celle que tu détestes. Ah, bah voilà, le chien métallique. Hein. Le piquant fait les mêmes dégâts, se déplace pas peut-être, mais il coûte un peu moins cher. Et Dieu sait que j'en ai besoin. Prends-en une. Ok. Ça va augmenter son attaque, c'est ça, si je me souviens. Non, c'est pas l'attaque, c'est autre chose. Ça va me donner un objet, un truc en plus. L'Ouroboros, vas-y, on va tester avec l'Ouroboros. Est-ce qu'on peut la rendre... c'est la double identité. Ah bah, le Dun bouclier, le Dun bombe. Ah, sur le Dun bombe, ça peut être pas mal. Sur le robot cadeau, ouais, aussi. Ouais, mais non, je perdrais l'effet du robot cadeau. Vas-y, sur le drone mitrailleur. Prends une double identité, vas-y. On prend le loulou. Ah, faut pas que je les perde mes cartes, putain. Ok, let's go. Ok, c'est qu'un couloir depuis tout à l'heure. Sympa, enneigé, donne bouclier. Le Pico, il avance quoi, là? Le Sonia qui vole, donc je peux pas le counter. Donc pour l'instant rien en fait. C'est plus intéressant que je joue rien et que j'attends. Alors le piquant, ouais, j'ai pas l'énergie. Le Dun bouclier. Donne bombe. Elle donne bombe, je vais me donner sur ça. Ah non, j'aurais dû le mettre là. Ouais, vas-y, je vais le mettre là. Le donne bombe n'est pas encore mort. Ah, parce qu'il a... Non, il avait pas un bouclier. Oh, l'insecte. L'insecte sur les à côté. Ah, mais c'est un anti-bloquant. Mais putain, c'est un anti-volant. Oh, mais c'est juste un arbre. Ah bah oui, c'est juste un arbre. Ça me bloque mon volant. Ah putain, il met un badaboum en face de l'insecte. Alors là, je récupère une bombe. Je pourrais faire un carnage. Vas-y, je peux lui donner... Vas-y, je suscite mon insecte. Ah, ah. Quel enfer. C'est bien par là, hein. Ah putain, je dois refaire tous les combats.
Ok, grise, 4. Pas grand chose à faire. Hein. Si je peux jouer full piquant en fait. Ah oui, mais c'est un volant. Je vais mourir. J'ai pas assez de cartes agressives, résultat. Il m'a tout niqué. Oh oui, c'est pas mal. Mais ouais, elle fait 0-1. Mais elle évolue. Pas assez d'énergie. le donne bouclier, on va le donner au récipient vide. Oui, j'ai un plan. Ok, drone mitrailleur, donc énergie. Hop, je récupère ça. Le robot cadeau. Et je mets un Sonia ici. Parfait. J'aurais préféré un petit bonus de pièces, mais bon. J'ai quoi? J'ai deux combats avant. Ah bah non, déjà. Bah ça va, tranquille. J'aimerais bien arriver au boss. Alors, ok, donc drone mitrailleur. Drone mitrailleur, on va le mettre là, direct. Tac. Système de défense, nickel. Se transforme en loup. Alors ça c'est un volant en face. Donc si je mets un volant contre un volant ça s'annule, on est d'accord. J'espère. Quand le deck il sort comme ça là. Un done bombe. Volant et un anti-volant, un badaboum en face et un robot permutation. Ouais, j'ai rien d'intéressant en vrai. Ouais, ok, mon drone mitrailleur est foutu. Ok, il reprend la main. Robot sniper. Et avec ça, je vais faire un done bombe. Ah non, je vais faire un done boucle, un done bombe, ouais. Ah mais non, mais non, mais... Ah putain, mais pas en face de lui, c'est un volant, mais quel con. Ah mais quel idiot. Bon ça va, j'ai un récipient vide, ça va me sauver, mais... Je vais faire un dégât direct. Oh, tellement en montée. Robot énergie évolutif qui fait 0-1 et un done bouclier. C'est approximatif ce que je fais. Hein. Si je tire là, il va donner la bombe à quelqu'un. Ah non, il y a une bombe qui va là et une bombe qui va là. Mais résultat, je récupère un bouclier. Donc le bouclier, je le récupère, je le mets là-dessus. Là, il l'attaque. Donc je récupère la bombe. Donc il faudra que je pose une bombe. Là, il l'attaque. Mais ensuite, il récupère la bombe là. Ah, mais si je récupère la bombe, je peux le récupérer sur le grizzly. Ah ouais, mais ça fait un 10 de dégâts, donc si je le laisse... Vaut mieux que je laisse. Et je laisse faire les dégâts. Donc là, il me donne un bouclier. Résultat... Lui, il va attaquer, il va se prendre un dégât. Lui, il va attaquer, il va se prendre un dégât, mais il devrait mourir.
mais je peux donner la bombe à un autre connard. Donc s'il attaque, lui il attaque pas là, mais je peux le donner au... je vais le donner au robot sniper qui peut m'éliminer des cartes directes. Ok, il récupère une bombe. Lui il va mourir, donc la bombe, autant que je la mette peut-être sur lui. Non, sur lui. Robot sniper est protégé. Ok, j'ai le robot cadeau. Robot cadeau, on va le mettre là. Alors, j'ai robot permission. Ça donne quoi? 10 de dégâts. On va jouer le robot cadeau. Ok, ça le one shot et là il explose. Boum, boum. Boum, je gagne un robot réveil. Il reprend la bombe. Hop, j'ai pas mal nettoyé, résultat. Mais, non, c'est bon, je survis. Mais j'ai perdu mon sniper. C'est quoi ça, robot réveil? Gagne. Opposé à cette carte, gagne 1 de puissance. Ouais, vraiment, c'est de la merde, quoi. Au bouclier. Ouais. Robot permission, j'aurais dû. Quoi ça sert un robot réveil? Une 1 de puissance. Oh, j'ai fait de la merde. Il y a un chien. Donne-moi un truc de ouf. Robot permation. Ok, 2. Il y a une tourelle et il a... Je gagne une carte au cas où. Ah, je le joue comme ça. Hop, il vient directement devant la tourelle. Ça, c'est parfait. Et l'autre, il arrive devant la tourelle. Boum! Ok, je peux faire quelque chose. Piquant, qui se transforme en 2-2. Permation, hop, on va la mettre là. Il se prend un dégât. Il échange ses points de vie. Ah, mais non! Bon, ok, ça va, ça m'a protégé. Match solitaire. Est-ce qu'on va finir par la buter, cette carte de mort? Ouais, une petite pièce. Dame, finally. Je peux accéder aux autres centres de Botopie. Je vais aller voir le marchand. Ah. Ça, c'est quoi, ça? 26 robots pièces. Je sais pas c'est quoi, hein. Accorde une nano-armure à tes robots sur le plateau. Pas mal. D'accord. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'attaque. Non. Ça, c'est le double. Et ça, c'est le boostage. Et ça, c'est avoir des nouvelles cartes. Et ça... Ok, vas-y, on va prendre ça. Un attribut supplémentaire pour une carte. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile en double attribut? Voir le robot. Oh, il y a ça, il y a le double attaque. Oh, il y a le double attaque. Attends, le double attaque, faut que je le cale quelque part. Hein. C'est... Est-ce que le double attaque avec ça... Ouais, non, il me faudrait... le double attaque... Avec le robot. Double attaque avec le piquant, sinon. Piquant que j'ai pas fait évoluer. Double attaque avec le robot. Double attaque avec le robot, ouais, ça peut être pas mal. Sachant qu'elle revient tout le temps dans ma main. Ok, je peux encore le faire. Ah, j'ai pas assez de thunes.
Mais c'est plus cher. Ok, d'accord. Là, j'ai combien de pièces, là? J'ai pas marqué, j'en ai 11, c'est ça, un truc du genre. Attends, j'ai pas loupé... Ouais, c'est ça. Marboueuse. Donc c'est le boss direct. Ok, on fait le boss. C'est étrange, cet hyperbot est assis là dans l'obscurité la plus totale. Est-ce qu'il attend qu'on le défie? Il attend peut-être que ses photos se développent? Ah ah, ah ah. Le prochain boss est plutôt cool. Il faudra vraiment que tu réfléchisses à tes coups. Oui oui. Oui, je fais toujours ça, je réfléchis toujours à mes coups, t'inquiète. Il a introduit une toute nouvelle mécanique. Bon, où étaient ces fichiers? Putain, maman. Encore? Décompression. Mon photographe Zip. Alors c'était... Mon outil, c'est l'objectif. Toi aussi, tu es mon outil. Toi, tu vas viser et moi, je me charge de prendre une photo. J'ai pas tout compris. S'il vous plaît. Il y a un robot à côté de lui. Ça me donne des nanos à armure. Tu vas voir la masterclass. Ouais, alors, pour l'instant... il attaque pas pour l'instant. Ah mais j'ai pas d'énergie. J'ai pas trop le choix. Hein. Wouah ! Robot photo. C'est mon ami. Tu vas le viser. Quoi ? Tu vas faire une photo. Ou tu peux choisir de n'en faire aucune. À toi de voir. Mon ami se souviendra de cette photo. Mon ami t'autorise à utiliser cette photo. Dans quel but, tu verras. À utiliser à quel moment, tu verras. Ok... Ah. Ok. Hop. Sur lui. Ok. C'est particulier, d'accord. Ok, mais je vois le style. Je vais pas le sortir maintenant. Si, je vais le sortir maintenant. Ok, à la fin de son tour. Ah bah oui. Oui, je prends mon... Ok, j'aime bien. J'aime bien la mécanique. C'est très malin, vraiment, comment le jeu évolue, comment il rénove tout. Robot énergie, permutation, piquant, on va mettre le piquant. Ah non, j'ai pas assez. Robot énergie. Hop. C'est sympa, ouais. Les mécaniques sont très très cool. Résultat, au bout d'un moment, même si t'as l'impression de faire les mêmes combats, il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent. Ok, résultat, ça double... Deux, lui, il bouge quand je l'utilise. Alright. Ah, c'est ça qui est... en ça qui évolue. En vrai, je re-sacrifie ma carte. En plus, je récupère mon Sonia.
Il n'est pas encore mort. Ah oui, résultat, j'ai utilisé la photo, donc j'ai plus que ça, quoi. Ok, ok. Drone mitrailleur. Mais qui peut évoluer en je sais pas quoi. Coucou chérie. Ok. De toute façon, je vais prendre une petite pause après, là. Je passerai te faire un coucou. Tourelle, 0, 1, donne de l'énergie. Ouais, mais au final, je m'en fous. Ah. Bah oui, parfait. Ah mais oui, mais je suis bête. Il se déplace et boum. Je suis con. Aïe aïe aïe. Bah alors, t'as perdu ton premier point de vie. Tu m'as donné un coup. Tu m'as donné un coup. Recalibrage de la matrice personnalité. Oh. Ok, d'accord. Ah ouais, mais je peux le ken. Ah, mais je peux revenir à ça. En vrai, je reviens. En vrai, je prends la photo. Je prends la photo de ouf. Joli boss. Me rappelle les chis poissons. Joli boss. Ouais, c'est les chis. Pas grand chose à faire, à part attaquer. Allez, on est reparti, mon coco. Gros bouclier. Par contre, il a repris ses points de vie, je lui ai rien fait, là. Ça m'a fait sauter un tour, résultat. Hop. Résultat, il reprend... Ah, putain, je suis dans une boucle, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est bon, je les ken. Stimulation. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Boum. C'est bon, j'ai pris la photo, la boucle, la photo m'a mis dans une boucle parfaite. Aïe aïe aïe. Et trois pièces en plus, c'est beau. Ok, alright, alright. Trop bien. Un peu de thunes. Un peu de thunes. Ça, c'est quoi, ça? Dis-moi que je peux récupérer une de mes cartes. Qui est morte. Ah non, je booste mes... Alors, c'est en plus? Ah, et si elle me donne un d'énergie en plus des picots? Ou sinon ça, mais avec picots? En vrai, avec l'énergie, ça peut être tellement bien. Dame! Dame, dame, dame! Eh bien, écoutez, mes amis, on va... Alors déjà, je vais me TP. Centre de Botopie. Ah, putain! Bon, attendez, on va aller au vendeur. 15 robots pièces, 18 robots pièces... Vas-y, vas-y, j'améliore encore une carte. Je vais mettre jusqu'à combien de symboles là? Parce que... On va faire voir le robot. Ok. Piquant sur le robot. Ah, ça peut être pas mal ça. Antivol. Piquant. Piquant sur le robot. Ouais, mais ensuite, il me faudrait... Non, il faudrait que je booste une carte qui est légère. Piquant, chien ou antivol. Piquant. Ah, le piquant sur un robot bouclier, ça pourrait être pas déconnant, hein. En vrai. Ou sur le robot énergie. Ouais, sur le robot bouclier. Piquant sur un robot bouclier... Sur un rebouclier. C'est pas ce que j'aurais pris. Oh, occupe-toi de ton cul. Pour l'instant, je m'en sors très bien.
Ok, j'ai plus que 4$. Est-ce que... Où est ma save? Sauvegarde, il y a 8 secondes. Eh bien, écoutez, mes amis de la Rodif, je vous fais... On va s'arrêter là pour vous. Nouveau boss de fait. Putain, ça a l'air... Il a l'air plein de surprises. Vraiment, le jeu est très, très cool. Ça, c'est... nouvelle mécanique... Des petites mécaniques comme ça qui changent tout au box. Même, vraiment, c'est évolutif. Chaque fois, le système de combat change. Ou revient, inspiré, modifié... non, en vrai, c'est très, très cool. J'aime beaucoup. Par contre, le coup des fichiers méta, là, j'étais pas prêt. Hein. Vraiment, j'étais pas prêt. Sur ce... de toute façon, c'était à la VOD d'avant. Sur ce, des gros bisous, salut, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne, hein, encore une fois, hein, je suis désolé de demander ça, mais... Et surtout, n'oubliez pas, cette les cuisines ferment leurs portes, et moi, je vais me prendre une pause, on se retrouve bientôt pour une prochaine VOD. Ciao, ciao!